Bon, aujourd'hui, je vais te présenter un petit effet. Oui. Avec le jeu Regalia. Tu connais le jeu Regalia? C'est le jeu que Shamling a sorti il y a quelques années. Magnifique d'ailleurs. Ouais, il est super joli, regarde. J'adore, il est doré. Doré. Il est vraiment beau. Hein. Tiens, Très belle d'ailleurs, carte. je vais te montrer les faces. Voilà, très sympathique, hein. D'ailleurs, je J'adore. l'utilise très rarement, histoire de le conserver un petit peu. Ce que je vais te demander de faire, en fait, c'est de mélanger les cartes. Tu les mélanges bien, bien, bien. Et une fois que ça sera fait, eh ben je vais te parler d'une chose. Ça glisse, hein? Ouais, elle glisse. Donc, tu les poses sur la table. Et Voilà. là, je ne sais pas si tu as remarqué, Si, une pochette. j'ai une pochette et dedans, j'ai écrit une petite prédiction. Pour toi et pour vous. Alors, c'est simple, tu as mélangé les cartes. Oui. Tu peux couper le jeu, coupe, où tu veux. Tu recomplètes ta coupe. Très bien. Alors, maintenant, je vais juste étaler les cartes. Tu Oui. vois comme c'est joli. Et je vais te demander de mettre le doigt sur une carte. Prends ton temps. Tu as 52 possibilités, donc prends ton temps. Vas-y. Celle-ci. Très bien. Donc tu la sors, tu la mets là, sans qu'on la regarde. Voilà. Personne ne l'a regardée, même pas moi. D'accord? J'atteste. Regarde. Je prends le reste du jeu, je le mets à l'écart. Et afin de ne pas influencer vous, le public, et toi, je vais la mettre avec ma prédiction. Très important. Vous pouvez regarder, il n'y a aucune tricherie. Voilà. D'accord? Je laisse. Maintenant, on va récapituler. Tu as mélangé les cartes, vous avez vu. Tu as étalé le jeu, tu as sorti une carte. Tu es bien d'accord avec moi que toutes les cartes sont différentes. Tout à fait. Vérifie bien qu'il n'y ait pas plusieurs as. Non, non, j'aime bien les D'accord. quatre as. Prends ton temps. Ça te convient? Ça me convient. D'accord. Donc tu étais d'accord avec moi. Tu avais 52 possibilités Je suis d'accord de avec sortir toi. une carte au hasard. Tu te rappelles que j'avais fait une prédiction? Oui. Dans cet étui? Oui. Tu es d'accord avec moi? Vous l'avez bien vu, vous aussi. Si je sors ma prédiction, Oui. je vais la mettre ici à gauche. Je sors ta carte. Aucune manipulation. Ben Tu es non, d'accord avec moi? je suis d'accord avec toi. Tu ne l'as pas vu ta carte. Non, je sais même Personne ne pas ce l'a que vu au c'est. final. En Non, revanche, c'est la moi, j'ai... surprise. Tout à fait. En revanche, moi, j'avais noté quelque chose. Ah oui? Qu'est-ce que tu lis là? Le 3 de carreau. Le 3 de carreau. Bien. Maintenant, pour la première fois, je vais retourner la carte. Avoue que si c'est le 3 de carreau, là, c'est un miracle. J'avoue, alors là c'est. Au cas où je me suis trompé, on est, admettons, c'est le 4 de carreau ou le 5 de carreau, avoue que c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. D'accord? Alors, suspense. Attention. Tu y crois ou pas? En magie, on peut tout croire, je pense que oui. Eh Non? ben, Très déçu. eh ben, tu as raison. 3 de carreau. Yes! Magnifique! Avec des cartes toutes différentes. Et bien Oui. sûr, tu peux prendre le jeu, regarder qu'il n'y ait pas plusieurs 3, plusieurs 4. Il y a Non, 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 vraiment je un sais seul que. 3 de carreau. Eh Oui. bien, je suis très content que ça t'ait plu. Ah, c'est magnifique. Eh bien, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. Pas de À vous aussi, souci. mes amis, pour une prochaine vidéo. D'accord. Allez, bye bye à tous! Bye bye.